installé sur la chaise. À 11h30. 11h30. Je veux quand même me réveiller. Ça va, c'est tranquille. Quoi, vous le faites pas? Oh, oh, oh. C'est important que l'armée vienne nous aider aujourd'hui, en fait, parce que le canton du Jura était dans une situation délicate et difficile. On n'avait plus de ressources suffisantes pour pouvoir injecter suffisamment de vaccins à la population jurassienne. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec l'appui de l'armée, on arrive à donner un sérieux coup d'avancement dans le programme de vaccination. La semaine prochaine, on aura aussi une aide complémentaire de l'armée au niveau de l'hôpital du canton du Jura, parce que là aussi, il y a un épuisement du côté des soignants, on a de grandes difficultés, une fatigue qui s'est installée, parce que dans le fond, on a l'impression que depuis 20 mois, on n'a quasiment pas arrêté. Et en cela, l'armée nous permettra, je dirais, de faire face à cette charge qui est là et soulager quelque peu les équipes soignantes.